Thank you.
un peu spécial. J'ai décidé de me mettre à la 3D. Pour vous expliquer un peu, parce que ça peut paraître très éloigné de ce que je fais le reste du temps. En fait, j'ai un ami motion designer dont c'est une partie du métier que de construire tout un tas de trucs hyper impressionnants sur son écran. Et à force de le harceler de questions pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, tout simplement il m'a mis le logiciel entre les mains. Merci pour ça. D'ailleurs, ce qui m'a vraiment donné envie d'essayer, c'est de découvrir le travail super fun et super intelligent de cet artiste. Les couleurs, les formes et le ton de ses créations, je pense que ça m'a vraiment permise de désamorcer l'aspect très rigide que je m'étais faite de la 3D. Évidemment, après j'ai découvert plein d'autres travaux, plein d'autres artistes, plein d'autres designers, avec tous des univers très différents. Bref, il y a un potentiel créatif énorme, il y a tellement de champs d'exploration possibles, et sans dire d'être forcément graphiste ou motion. Enfin bon, je vous dis ça, mais je suis totalement novice, je galère à fond, et je fais encore des crises d'angoisse sur le logiciel. Ça vous donne une idée. Petite parenthèse, j'utilise Blender, qui est un logiciel gratuit, ce qui est absolument fou quand on sait l'outil que ça représente. Donc si vous avez envie d'essayer sans pression, logiciel très sympa. Voilà, écoutez, on va essayer. Let's go, c'est parti. Terminé. Et c'est sur ce petit chapeau que nous nous quittons puisque c'est le week-end. Merci très sincèrement de m'avoir accompagnée tout au long de cette semaine. Et ce, malgré la création accidentelle de la 3D la plus terrifiante de l'histoire. Désolée pour ça. Ça me fait un petit peu rire quand même. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao.